Les bienfaits individuels et collectifs de la pratique d'activités physiques, sportives et de plein air ne sont plus à démontrer. C'est pourquoi, au fil des ans, la ville de Repentigny a mis en place de nombreuses initiatives favorisant l'adoption d'un mode de vie sain et actif. Aujourd'hui, Repentigny confirme sa volonté de travailler sans relâche au bien-être de ses citoyens en se dotant d'une première politique du sport, de l'activité physique et du plein air. Élaborée dans un esprit de concertation, cette politique se veut un outil qui permettra d'encadrer les actions portées par la municipalité et ses partenaires en matière de sport, d'activité physique et de plein air. Elle s'appuie sur une vision de développement où l'accessibilité, la diversité et la collaboration avec le milieu permettent à tous les citoyens de s'épanouir dans de saines habitudes de vie. La politique du sport, de l'activité physique et du plein air s'élabore autour de 5 valeurs. Le plaisir de bouger, le respect et l'intégrité des participants et des bénévoles, l'accessibilité, l'éthique sportive et l'éco-responsabilité. 3 principes directeurs guident son déploiement. Le respect entre les personnes, des utilisateurs aux bénévoles, des enfants aux parents, à l'égard des organismes du milieu et envers les environnements de pratique. La collaboration au profit de la mise en place d'actions cohérentes, significatives et concluantes. Ainsi que la qualité et l'excellence dans tous les composants de la pratique. Au cœur de la politique du sport, de l'activité physique et du plein air, on retrouve 4 orientations. La première de ces orientations consiste à favoriser le développement d'environnements adaptés à la pratique d'activités physiques, sportives et de plein air, qu'elles soient de nature récréative ou compétitive. J'aime jouer au tennis au centre récréatif parce que la surface est dure, puis j'aime ça la surface dure parce qu'on est plus actif, puis la balle rebondit beaucoup, fait qu'on peut plus attaquer. La terre battue, c'est pas comme les autres terrains, parce que les autres terrains, tu peux pas glisser, puis sur la terre battue, tu peux glisser. La seconde orientation vise à encourager l'adoption d'un mode de vie physiquement actif en s'assurant que chaque citoyen trouve l'activité physique sportive ou de plein air qui lui convient et ce, quelle que soit sa condition. Et moi, j'aime beaucoup fitness en plein air. J'ai découvert ça il y a déjà un an. Et puis, c'est accessible pour tout le monde, c'est gratuit, c'est adapté pour tous les types de formes de personnes. Ça commence bien la journée, puis je peux venir aussi avec ma fille de 1 an. Donc... Comme troisième orientation, la politique du sport, de l'activité physique et du plein air aspire à mobiliser le milieu dans le cadre d'une vision commune afin que l'offre destinée aux citoyens soit déployée de façon harmonisée, complémentaire et diversifiée. C'est au niveau de la concertation entre les centres, ce qui est intéressant aussi. Oui, l'offre elle peut être différente, mais aussi elle peut être identique, mais rapportée dans chaque région. Fait que pour nous, c'est important que dans le secteur Le Gardeur, il y ait aussi des cours de conditionnement physique pour les personnes, par exemple, de 65 ans et plus. Bien, j'en ai aussi de mon côté. Partout dans la ville, l'accessibilité est là. La quatrième et dernière orientation de la politique consiste à favoriser une participation enrichissante des citoyens à l'offre repentinoise en véhiculant les valeurs premières associées au sport et en supportant les organismes bénévoles. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de pratique du sport, il n'y a pas d'équipe qui existe, rien de ça. On apprend à se connaître quand on fait partie d'une équipe en tant que parent. Et quand on travaille ensemble, on vit d'autres choses de différents aussi. Fait qu'il y a une chimie qui se fait vraiment là, au sein de nous. Là. L'esprit sportif, c'est très important pour une équipe de baseball comme la nôtre, pour l'association des Angels BCL. Je pense que toutes les équipes le font parce que c'est un sport collectif. C'est pas un joueur qui va te permettre de gagner un match. En tant que coach, c'est important de faire du développement puis que les jeunes aient du plaisir à venir au parc puis se présentent aux pratiques autant qu'aux matchs parce que c'est important de pratiquer. Puis l'esprit d'équipe, elle se transporte au-delà que sur le terrain, elle se transporte dans les estrades. Afin d'encadrer la mise en œuvre de la politique du sport, de l'activité physique et du plein air, un comité de suivi sera mis sur pied et veillera à l'élaboration et au déploiement d'un plan d'action revu annuellement. La ville de Repentigny remercie tous les acteurs qui ont contribué à l'élaboration de cette politique et qui la feront vivre de par leurs actions et leurs initiatives. Parce qu'à Repentigny, c'est en bougeant qu'on s'épanouit. Merci.